Bonjour à tous et bienvenue sur Summer's Resource, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vous montre comment installer et utiliser Mixtral, l'un des derniers modèles de Mistral. Alors Mixtral, aussi appelé Mixture of Expert, est composé de 8 sous-modèles de 7 milliards de paramètres. Donc 8 fois 7D. Alors, pourquoi? Simplement parce que chaque sous-modèle de 7 milliards de paramètres est un expert, bien particulier en un domaine. Et donc, ce gros modèle de 8 experts vous permet de répondre à bien des questions. Il est très puissant. C'est parti! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je veux aussi faire des vidéos que vous aimez. Alors, on est sur LM Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un programme qui permet d'utiliser facilement des LLM, donc des intelligences artificielles. Soyez sûr d'avoir la version 0.2.1. Donc, vous allez sur LM Studio et vous cherchez des mises à jour. Et la version, c'est 0.2.1. J'ai déjà montré une vidéo qui montre comment installer et utiliser LM Studio. N'hésitez pas à la regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on va dans la barre de recherche et on cherche notre modèle Mixtral. Et voilà. Mixtral 8 x 7B, 7 milliards de paramètres. Et on va prendre celui-là, Q4KM, celui qui est recommandé. Donc 26 gigaoctets, et on télécharge. Une fois le téléchargement terminé, vous allez là, et vous sélectionnez votre modèle. Alors il est préférable d'avoir un ordi puissant, de préférence 64 gigaoctets de RAM et un ordi plus ou moins récent. Moi, j'ai un M1 Pro, un Mac M1 Pro avec 32 gigaoctets de RAM. Alors, c'est pas suffisant, mais on va quand même faire des tests avec. Donc, le modèle est installé et on commence. Donc, comme d'habitude, quelle est la capitale de la France? Très bien, alors ça a pris un peu de temps, mais on a une réponse qui est juste, mais surtout qui est très détaillée. Et pour un modèle gratuit, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, on va aller un peu plus loin, on va lui demander Make me a poem of 30 words. Donc, fais-moi un poème de 30 mots. Alors, jusqu'à présent, j'ai jamais eu une IA, même ChatGPT ou GPT-4 de OpenAI, qui m'a fait exactement le bon nombre de mots. Pareil pour Bard, j'avais testé et ça n'avait pas réussi. On va voir maintenant comment ça se passe. Bien, alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mots. D'accord? C'est pas bon. Néanmoins, si on compte les virgules et les points, on peut dire qu'on a 30 mots. On peut dire que actuellement, Mixtral, pour ce test de nombre de mots, ça a été le plus proche. C'est vraiment impressionnant. Alors, vous vous rendez pas compte parce que je fais avance rapide lors du montage vidéo, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Mon ordinateur, il souffre là. Alors, si vous avez un ordi comme moi pas très puissant, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si vous avez un ordi puissant, ce modèle pourrait vraiment vous être très, très, très utile. Alors, pour finir, je vais lui demander de me faire le jeu tic-tac-toe. C'est le jeu où est-ce que vous avez des croix et des rangs. Vous savez, vous devez les aligner en 3. Donc, tic-tac-toe game in Python. Et donc, maintenant, il va m'écrire un code. Et après, on testera le code. OK, c'est terminé. Et ça semble être pas mal du tout.
Donc, je prends le code, je le copie et je le mets dans VS Code pour tester le code, pour tester le jeu. Donc, le jeu tic-tac-toe écrit en Python. Donc, je lance et cela semble fonctionner. Je vais agrandir le terminal. Donc, regardez, ici on a le jeu. Donc, le premier joueur, X, doit dire où est-ce qu'il va mettre sa croix. Alors, il faut mettre par exemple, je vais mettre 2, 2 pour mettre au milieu. Ensuite, le joueur 0, il va mettre 1, 2. Voilà, donc il l'a mis ici. Moi, je vais le mettre ici, 1, 1. Bien. Ensuite, lui, il va le mettre en 3, 1. Donc, ok, très bien. Et pour finir, moi, je vais mettre 3, 3. Normalement, je vais gagner. Bien. Le player, donc le premier joueur X, a gagné. Parfait. Donc, le code a bien fonctionné. Alors, on a fait un petit test et c'est prometteur pour Mixtral. Donc, le dernier modèle de Mistral avec 8 fois 7 milliards de paramètres. Si vous avez aimé comme moi ce modèle et que vous voulez que je fasse plus de tests, que je vous montre différentes choses par rapport à cette IA, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, si des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.